juste 32 minutes de repos et on refait la série. Voilà. D'accord. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, un petit retour au calme. On va venir s'allonger. On est comme ça, on vient mettre les paumes. Ce qu'on appelle la posture du cadavre. La posture du cadavre, c'est celle-ci. Et on cherche simplement à la relâcher un petit peu. On se concentre sur sa respiration. Les yeux fermés. On cherche vraiment à tout relâcher. Tout relâcher, tout relâcher, tout relâcher. On reste comme ça un petit moment, on essaie de ne pas s'endormir. C'est un peu comme une méditation, voilà, c'est juste un retour au calme, on est là. Et avant de se relever et tout et de bien faire, on essaie de toujours recommencer à bouger un petit peu tout ce qui est distal, tout ce qui est aux extrémités. D'abord, tu commences par les orteils et les doigts. Venir rebouger un petit peu les poignets. Sentir toutes les répercussions des petits mouvements sur les chaînes musculaires. Toujours en travaillant bien sur la respiration, qu'on laisse revenir à la normale. Et quand tu te sens un petit peu, quand on sent, on peut commencer un petit peu à bouger. Tranquille, machin. Et ensuite, on ouvre les yeux. On vient pour se relever. On plie les jambes. On ramène la main. On bascule sur le côté. On fléchit. Tac. Donc là, je me retrouve en position latérale de sécurité. Et on vient pousser. Repasser. Hop, hop, hop. Et ensuite... Comme ça, voilà. Merci.